Lundi, nous faisons de la copie. Alors, la copie, c'est encore un petit peu ce que vous avez le plus de mal à faire. Vous êtes de bons lecteurs, mais vous faites des belles écritures. Mais quand il s'agit de copier plus longtemps, l'effort soutenu, c'est pas encore tip-top. Ouais, c'est pas encore tip-top, elle a dit. Alors, comment on fait pour s'améliorer? Ben, il faut en faire beaucoup, c'est comme tout, hein. Ben, faut peut-être que tu expliques un peu pourquoi c'est difficile, la copie. Oui. Oui, je vais expliquer pourquoi c'est difficile, la copie. Alors, déjà, les premières copies qu'on avait faites, les mots étaient écrits sur la feuille et tu devais les copier en dessous. Alors, ton œil, il allait sur la ligne du cahier, sur la ligne du cahier. Il n'y avait pas beaucoup de déplacement. Après, on a fait de la copie sur le livre. Par exemple, on a eu à copier... On a eu à copier ça. Alors là, tes yeux, ils vont plus loin pour regarder le modèle. Ils vont sur le livre, qui est loin, tu vois, on ne le voit pas, il n'est pas sur la caméra, et ensuite dans ton cahier. Tes yeux vont loin sur le livre, tes yeux vont sur le cahier. Aujourd'hui, on va ajouter une difficulté supplémentaire. Il y a une partie de la dictée qui va être dans le livre. Alors la partie de la dictée qui est dans le livre, c'est ici. Je regarde tes tulipes. Je les admire, je les copie, puis je les colorie. Et puis, il y aura une autre partie que je vais te faire en modèle et qui sera affichée sur son écran. Alors, quand c'est affiché sur son écran, c'est encore plus loin. Allez, on commence par la date. Je pense qu'il va falloir faire deux vidéos parce que ça va être un petit peu long, là, si je fais tout. Donc... Je suis sur la grosse ligne. 1, 2 carreaux. Je monte à la troisième ligne pour faire le L majuscule, boucle à l'intérieur du troisième interligne. Je remonte en crochet. Le 1 de 1, je lâche. D. I, 30, non, de la musique douce, on a dit de la musique douce pour la... Les referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges à l'amour. Là, c'est les fraises et les asperges. Tiens, apporte-moi mon stylo rouge. Merci, Wistiti. Alors, 5 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois que j'ai encore perdu ma petite règle transparente. Bon, alors maintenant, sérieux. Wistiti, si tu pouvais arrêter la musique là, parce que... Voilà, merci. Alors, tu regardes dans ton livre, page... 62, super pratique, 62, tu vas copier tout ça. Je vais le faire, donc ce que tu peux faire, c'est regarder mon tutorat, et puis ensuite, tu le fais toi. Évidemment, comme je suis une adulte, je vais vite. C'est normal. Toi, tu t'appliques,
Tu vas à ton rythme et surtout, tu t'appliques pour faire des belles lettres. Donc, je commence. Est-ce que je suis obligée? Oui, je peux laisser cette ligne, j'ai la place. Ah, c'est pas vrai. Doucement. Elle était si jolie. Oui. Que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie. C'est trois vidéos qu'il va nous falloir. Je ne peux l'oublier. Mais si tu vas jouer ailleurs. Ouais, je veux jouer. Donc, sérieusement, 1, 2, 3, je... Si tu trouvais une chanson avec des tulipes, alors là, tu serais vraiment super fort, Wistiti. Je regarde. Ensuite, je regarde mon livre. Tes tulipes. Je vais essayer d'écrire les deux mots. Tes tulipes. Le T il monte à deux. Hein. Une tulipe vient dans mon jardin. Nom d'une pipe, donnez-moi la main. Que n'est pas de me dit-elle pour me sauver. Tu m'as fait rater, oui, Titi. Et vous me fâchez, mais je suis polie, je pense, je peux faire la révérence. J'écris n'importe comment avec toi. J'espère que votre environnement est plus calme que le mien. T'es tulipe. Il y en a plusieurs, n'oublie pas le S. Une jonquille vient dans mon jardin. Bonjour ma fille, donnez-moi la main. Je n'ai pas de main, les. Ah, je suis pas sûre d'avoir la place d'écrire admire. Alors, je vais prendre des précautions. Je vais sauter une ligne ici et je vais commencer sur la grosse ligne ici. J'ai bien regardé dans mon livre comment ça s'écrivait, admire. Et c'est le verbe, l'action, admirer. Donc, c'est je qui admire, il y a un E. Le lait qui est ici n'est pas indéterminant, on l'a déjà vu en lecture. Et là, j'ai un point. Je ne vais pas faire comme dans le livre, je vais continuer après le point. D'accord? Donc, si tu n'as pas regardé mon tutorat, je le verrai. Je, les qui veut dire les tulipes, c'est pas un déterminant. Copie qui est l'action de copier. Donc comme c'est je copie, c'est IE. Point. Donc je fais une majuscule, un P majuscule. Alors le P majuscule, je compte 1, 2, 3. Je fais une canne de parapluie. Je me remets à deux. Je fais un champignon, un chapeau de champignon. Puis, je l'ai. Qui n'est pas ici indéterminant. Colorie. Point. Colorie, j'ai un E à la fin parce que c'est le verbe. Tiens, j'en profite pour... te refaire ce qu'on avait fait dans le livre. Regarde, c'est un verbe. J'ai une terminaison. Une terminaison, je mets dans un carré, pas dans une bulle. Hein. Un carré, un rectangle. Parce que je. Tes tulipes. J'ai plusieurs tulipes, c'est pas une action.
Donc là, c'est une marque dans une bulle qui va avec le déterminant T. Je admire. Terminaison d'un verbe. Les n'est pas un déterminant. Je copie. Terminaison d'un verbe E. Je colorie. Terminaison du verbe E. J'arrête la vidéo, cette première vidéo. On va faire une deuxième vidéo pour la suite de la copie.